Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on est avec Marc-André qui vient d'acheter une carabine. Bon, le fait qu'il ait acheté une carabine, c'est pas ça qui rend le truc incroyable. En revanche, ce qu'on va faire, c'est que tu as choisi de monter un point rouge dessus. Regardez 20. C'est une carabine qui est destinée à l'abattu. Du coup, on va en profiter pour aller tirer au simulateur, mais à balles réelles. C'est parti, on vous emmène. Parfois, il faut savoir se faire plaisir et ça, Emma y sait faire. Une R8 flambant neuve avec un RD20 en 9.362 canon court entièrement dédié à l'abattu. Après l'incontournable passage en caisse, direction le tunnel de tir pour le réglage du point rouge. L'armurier, plus familier au réglage, dégrossit le point rouge. Emma, quant à lui, confirme avec une dernière balle. Une fois les réglages terminés, l'ensemble des acteurs satisfaits, direction le simulateur de tir, où on retrouve Fabrice, un autre chasseur venu s'entraîner pour tirer du sanglier et encore et toujours du sanglier. On a à notre disposition deux carabines, celle de Emma en 9.362, qui cogne un petit peu, il faut bien l'admettre, et une 308 avec un silencieux beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable à tirer. On est là pour une heure, on a deux boîtes à vider, on va pas traîner, on va tirer et toujours tirer. Certaines balles sont bonnes, d'autres très bonnes et certaines très mauvaises. Mais que celui qui n'a jamais raté de sanglier lève la main. Après avoir ferraillé sur ces bêtes virtuelles durant une heure, il est temps de ramasser les douilles et prendre congé. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, ce genre d'entraînement, en plus d'être extrêmement amusant, a un vrai intérêt ludique. On voit où on met nos balles, on voit l'erreur qu'on fait, si on fait des interceptions, si on suit, si la balle est devant, derrière, etc. On peut largement progresser. Évidemment, tout le monde n'a pas un ciné de tir juste à côté de chez lui, mais ça vaut quand même le coup, quand on peut le faire, d'aller vérifier et ses réglages et la façon dont on tire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.